Salut, elle s'appelle Isabelle Fima, vous la connaissez peut-être mieux sous son nom de scène Gourmandise by Isabelle. Elle est avec nous aujourd'hui, c'est une émission coup de pouce voilà, pour aider une Ola Khadasha, enfin Khadasha Vatika, ça fait très longtemps qu'elle est là, déjà 27 ans, pour aider à mieux la faire connaître du public francophone. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors il faut parler bien près du micro. Oui. D'accord. Voilà, comme ça, ça sera mieux. Donc, en fait, on a le plaisir de vous accueillir parce que vous avez une histoire un peu singulière. Car avant de vous adonner à votre passion, la pâtisserie, la cuisine, ce que vous faites aujourd'hui, vous étiez en France infirmière. C'est exact, oui. Pendant combien de temps ? J'ai travaillé 5-6 ans infirmière. Et vous étiez en plus dans des services un peu compliqués ? Oui, j'étais en orthopédie et après en cancérologie. Et pourquoi vous n'avez pas, quand vous êtes arrivée, vous avez tout abandonné ? Ben oui, parce que comme beaucoup, on est arrivé en Israël, on n'avait pas de famille, on n'avait pas d'argent, on avait des enfants petits, donc il fallait commencer à travailler tout de suite. Vous n'avez pas le temps de repasser les examens, de vous asseoir. Non. Et puis en plus, l'hébreu, c'était difficile aussi. Pour vous ? Oui. Un peu compliqué. Voilà. Bon, ça a été l'occasion de raccrocher une deuxième carrière. Ça n'avait pas été tout de suite. Hein. Vous avez fait plein de choses. Vous avez d'abord commencé en cuisinant des crêpes et des pralines dans la rue. Voilà, c'est exact. On a fait sur Ben Yehuda, on vendait des pralines et des crêpes avec mon mari. Ça marchait bien ? Oui, très très bien. Ça nous manque d'ailleurs, ça. On aimerait bien que ça recommence. Mais c'est compliqué ici. Oui, c'est compliqué. Pourquoi ? À cause du Misra d'Abriot, ils ne permettent pas de travailler dans la rue. Donc, pas de possibilité de faire ce genre de choses comme on a pu connaître, nous, en France. C'est exact. Oui. Donc, vous avez dû abandonner cette activité. Alors, après, votre mari a ouvert une pizzeria et puis vous, avec les enfants, vous êtes restée chez vous parce que c'était très fatigant comme métier. Je l'ai aidé au début, oui. Ouais. Puis, bon, c'était compliqué, c'était difficile. C'est à toute heure de la journée, donc c'était difficile, quoi. Donc, finalement, vous êtes restée chez vous. Voilà. Donc, je suis restée chez moi. J'ai gardé des enfants. Ouais. Et puis, en même temps, j'ai commencé à faire traiteur, à faire des gâteaux pour des copines, à faire des petites réceptions. Ça a commencé dans le cercle premier, on va dire. Voilà, ça a commencé avec des copines, oui. Ouais. Et ça a bien marché parce qu'apparemment, c'était bon. Elles vous ont commandé de nouveau des choses, du salé, du sucré. Exact. Et vous êtes donc formée sur le thym ? Oui, je me suis formée sur le thym. J'ai appris aussi avec le cousin de mon mari qui est pâtissier de métier. Ouais. Et qui m'a appris plusieurs choses parce qu'il est resté chez moi pendant 2 mois en Israël. Donc, vous avez profité de sa présence. Voilà, j'ai profité de sa présence. Et puis après, j'ai fait aussi quelques cours chez Nest Kitchen. Nathalie Benaïm, on salue si elle nous écoute. Voilà, et puis aussi avec Sandra Zafran ou Gatine. Ok, vous avez appris quoi faire ? Les macarons, j'imagine ? Oui, entre autres. Les macarons, oui, chez Sandra. Ok. Et donc aujourd'hui, vous en êtes où ? Eh ben aujourd'hui, je travaille. Ouais. Je fais des réceptions. Donc vous avez ouvert un ESSEC ? Oui, c'est ça. Oui, j'ai ouvert un ESSEC depuis une quinzaine d'années. Ouais. De chez moi. Et puis. Vous avez une théodate cacheroute ? Oui, j'ai une théodate cacheroute cachère la méandrine. D'accord. C'est bon à savoir. Oui. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Oui. Et donc vous travaillez de chez vous ? Voilà, je travaille de chez moi. Oui, c'est ça. Ça ne doit pas être facile. Non, mais ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Ok, d'accord. Ouais. Pour la famille, j'imagine que c'est plus simple d'être sur place. Alors, vous faites tout, on l'a dit, du salé, du sucré, etc. etc. Mais vous avez une particularité, c'est que vous n'achetez pas de produits manufacturés, très peu en tout cas. Oui, j'essaye de faire moi-même toutes mes crèmes. C'est-à-dire que ma crème de pistache, par exemple, je prends des vrais pistaches que je mixe, que je fais une crème avec. Je n'achète pas les crèmes déjà toutes prêtes. D'accord. Ouais. Pareil pour d'autres... Du salé aussi. J'utilise par exemple pour mes petits pains que je remplis moi-même. Je mets de la tapenade que je fais moi-même. J'ai du cosbora toujours au congélateur que je fais moi-même. Je n'achète pas les crèmes toutes prêtes comme ça. D'accord. Donc, vous mettez du soin à vos préparations et vous faites en sorte que ce soit le plus naturel possible, le plus maison. Ça doit avoir un goût particulier. Donc, vous habitez à Pisgadzev, d'où vous travaillez ? Oui. Vous livrez dans Jérusalem ? Oui, même en dehors de Jérusalem pour des réceptions. D'accord. Qu'est-ce que vous faites comme type de réception ? Un peu tout ? Oui, je fais des Shabbat Ratan, je fais des Brit Mila, des Sheva Brachot.
Bat mitzvah, petit déjeuner de bar mitzvah aussi. Mais vous faites tout, simplement, vous livrez simplement des plateaux, vous pouvez tout, vous charger de tout, du service, de tout? Ça dépend du client. S'il veut une réception clé en main, je peux faire tout en même temps. Vous pouvez tout faire en même temps. Oui. Qu'est-ce que vous préférez parmi vos spécialités? J'aime bien tout. J'aime changer. Vous changez? Vous ne faites pas toujours la même chose? Non, j'aime innover aussi. Ah, ça veut dire que vous vous renouvelez? Oui, j'aime bien faire des nouveaux gâteaux, j'aime bien changer les choses. Qu'est-ce que vous faites comme gâteau? Allez, mettez-nous l'eau à la bouche, faites-nous rêver. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben, bien sûr, des macarons comme tous les pâtissiers. Et puis, je fais aussi comme, je ne sais pas si vous voyez, un gâteau avec une mousse de fruits rouges et des petites meringues dessus. Ouais. Je fais de la nougatine, je fais... Gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat, bien sûr, un peu tout. Un peu tout. Bon, des gâteaux français, millefeuille, oui, Paris-Brest, tarte au citron, tout ça. Oui. Voilà, le Paris-Brest, la tarte au citron aussi, bien sûr. J'aime beaucoup parce que c'est une recette de Menton. Et comme j'habitais juste à côté, donc j'aime beaucoup. C'est très bon, les recettes du Sud, en général. Voilà. Vous faites la fougasse aussi? Oui, bien sûr. Ah, mais c'est sympa. Puis saladière, etc., etc. Aussi. Bon, alors, écoutez, vous avez compris. On mettra les coordonnées de notre amie Isabelle Fima. Voilà, si vous avez envie de commander, vous pouvez le faire. On voulait lui donner un petit coup de pouce, un petit coup d'éclairage. Merci. Ça fait toujours du bien, même si elle est là depuis longtemps. Ça s'appelle Gourmandise by Isabelle. On était super contents de vous recevoir. Merci. Bon, on espère... On est un peu triste que le métier des infirmières, enfin en tout cas le monde hospitalier, ait perdu une infirmière comme c'est vous. C'est gentil. Mais bon, on ne sait pas, peut-être que si la loi change... On ne sait pas, mais à mon âge, ça devient un petit peu difficile. Un peu compliqué, mais on préférerait rester au fourneau. Voilà. Ok, merci d'être venue jusqu'à nous, à très bientôt. Au revoir merci Isabelle. Beaucoup. De rien, merci. Au revoir.